c'est Mio. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 10, déjà l'épisode 10 de Diablo 2 Resurrected. Donc, bien sûr, toujours en mode chill, hein. On découvre. Donc, on vient de terminer avec Devil, le premier acte. Donc là, on ne sait pas ce qui nous attend. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter Devil et dès qu'il nous rejoint, c'est parti. Let's go. Mais la poule, elle est en train de s'exciter là, regarde là. Mouh, mouh. Il a fait une course. Mouh, mouh. Oh merde, elle m'a coincé. Devil est là! Ça va, Devil? Attends, je suis pas encore là. Si, t'es là. Devil Au Kamikaze a rejoint chargement. notre monde. Non mais. Et je te vois devant moi, tu te fous de qui? Je Ah, suis en t'étais en chargement mode. là, moi j'ai. T'es en retard, mec. Moi j'ai la fibre, hein, t'inquiète. Bon, Devil. Ça va ou bien? Je suis en Ne train de meurs mourir. pas. Ne meurs pas. Alors? Quand tu faisais tes moups là, ça y est, je suis là. Tu faisais tes moups, j'avais l'image de toi et La de poule? Virginie. Et de Virginie en train de courir. Merde! J'avais cette image là, moi. Ah, t'es con. Bon, petit clin d'œil à Boop, il se reconnaîtra. Ok, bref, arrêtons nos conneries parce que les gens ils vont pas comprendre. C'est rien, les amis, ça va passer. Alors, donc toi, je sais pas dans ton inventaire ce que ça donne, mais moi j'ai plus beaucoup de place. Entre le tome d'identification et la clé, les deux trois petites conneries, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 charmes. Laisse tomber. Je suis trop charmante. Allez, c'est Oh tombé. la gueule. Allô, le flop. Oh la gueule. Ta gueule. Oh la gueule. Alors, ça, est-ce que je le garde ou pas? Résistance au froid, au poison, plus 4 à la force, 6 de dégâts de poison. Hein? Ah, j'empoisonne les gens, c'est Ah, il cool. faut que j'aille compléter ça, moi. De dextérité, ça par contre, c'est de la daube, je vais le jeter. Hein. Tu le veux? Tiens, cadeau. Ça prend trop de place pour rien. 5 d'endurance max, 6 d'endurance max, 3 de dextérité, 22 d'endurance max. Tiens, je t'en donne un. Voilà. Je t'en donne deux qui sont vachement bien pour toi. Parce que toi, t'es de torse à chaque fois. Suis pas méchante. C'est des vérités. Hop, je vais aller voir si j'ai pas des. Je t'ai mis deux charmes derrière toi. Hein. Après, si tu les veux pas, c'est ton problème. Top là. Ok, bon, allez, let's go, on se casse. Où je vais? T'es où? C'est à qui qu'il fallait parler? À Kane? Oui. Non? C'était à lui là, je crois. Votre Voirive. présence m'honore. Est-ce que c'est tout bon pour toi? Parce que au niveau des. Oh, merde, j'avais retiré ma carte. Au niveau des quêtes, l'acte est terminé. Vous avez terminé cette quête là, d'une partie précédente. Tu mens. Je te crois pas. C'est une grande victoire, mais d'autres batailles nous attendent. Je vous prêterai main forte au cours Non, de moi votre je le voyage. ferai. N'oubliez pas que Ok, attends, je suis en Diablo train est de relire le toujours dans le truc. désert, occupé à une mystérieuse Dans le quête. Votre désert. cauchemar ne se terminera que lorsque vous trouverez ce qu'il cherche. On va chercher Diablo, moi, même pas peur. Vas-y, let's go, allez vers l'est. Wouh! Pardon pour vos oreilles. Et pour les tiennes. Acte 2, les amis. On y arrive. On a enfin terminé le premier acte au bout de 9 épisodes. C'est trop beau. Vers l'Orient, Tais-toi un peu, on n'entend que toi. par-dessus les dunes, à travers le désert des terres brisées. Ah, c'est Jour après beau. jour, mon compagnon de route Moi, j'ai me envie d'un contait film, son Diablo. histoire, ses exploits de guerrier. J'avoue. Il me parlait aussi du terrible secret, du noir fardeau qu'il portait J'ai en peur lui. des chameaux, hein. Enfin, la syndrome Adder, j'ai peur. Hein. Votre Moi, j'aime pas, ça me périple fait à peur. travers ces étendues arides Oh, il durera est une mort! Oh éternité. non, vas-y, comment ils Je abusent! perdis la notion du temps. Ah, il a fait le tape en plus! Je me Lui, vas-y. soulevais qu'un grand Toi, je te vois, je nuage, vois. sombre J'ai peur, et mais je suis pas terrifiant. Ah, méchante avec. t'es en décalage! Et chacun Ta gueule! de Comment on s'endort là? Du sommet de la dernière dune, T'as vu comment il l'a tapé? domine notre destination. Culé. La belle cité de Lutgolae, Oh, c'est joli. sertie tel un joyau par un océan scintillant. Non mais l'autre, vas-y, Nous je me rappelle de établîmes sa tête. notre camp
Était-ce la douceur du vent des sables ou la lente musique des vagues? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je m'endormis et le rêve revint. Toi, tu vas prendre cher quand je te retrouverai. Celui-là n'était pas le mien. Je recevais la vision d'un homme exceptionnel, le mage Talaracha. Vous étiez là aussi, Tyrael. Je me souviens vous avoir vu dans mon rêve. Les compagnons du mage avaient capturé le démon Baal, le seigneur de la destruction, qui répandait le mal sur la terre. Ils entreprirent de l'emprisonner au cœur d'une pierre sacrée. Pour l'échec de leurs multiples tentatives, Talaracha se sacrifia. Décida de faire de son propre corps la prison du démon. Il ordonna à ses compagnons de l'attacher dans une tombe, puis de l'enterrer à mille pieds sous le sable pour combattre le démon à tout jamais. Ok. Maintenant, tu sais tout, Marius. Marius, je vais te déglinguer. Si je te trouve. Le lendemain, nous prîmes le chemin de Lutgolay. J'ai rigolé. Je n'avais pas la moindre idée, alors, des horreurs que j'allais y trouver. Ok. Donc on va bien être dans le désert. Heureux de vous voir. Et voilà, je t'attends. Je te rejoins dès que le chargement est fini. Donc tiens, il y a Jérine. Heureux de vous voir, honorable voyageur. Je suis Jérine, seigneur de Lutgolay, et vous souhaite la bienvenue dans ma bonne cité portuaire. Je suis heureux de voir que les caravanes peuvent à nouveau circuler. Depuis quelque temps, nous sommes assiégés par des forces du mal que je ne peux identifier. C'est étrange. Tout a commencé avec l'arrivée du rôdeur qui cherchait le tombeau de Talaracha. Nul ne sait précisément où Talaracha, gardien de Baal, a pu être enterré, mais c'est sans aucun doute en plein cœur du désert. Désormais, mon peuple parle de morts sortant de leur tombe et d'horribles créatures hantant les dunes à la nuit tombée. J'ai moi-même été témoin de choses que je ne peux expliquer. J'ai ordonné la fermeture du port et le mouillage de tous les navires marchands jusqu'à ce que la ville soit à nouveau en sécurité. Atma, l'aubergiste, a une mission importante pour vous. Allez la voir sans plus tarder. Vous la trouverez de l'autre côté de la ville. Il me faut maintenant retourner au palais. Veuillez m'excuser de ne pouvoir vous y inviter. Il y règne un certain désordre. Ok. Malheureux, on arrive à peine, ça y est. Faut déjà qu'on soit missionné. Vous allez vous calmer, les gars. Moi, d'abord, je fouille. Pourquoi les murs, ils sont rouges? Trop bien. Oh, l'eau, elle est vraiment trop bien faite, j'adore. Les détails dans ce jeu, ils sont stylés. Ah, on peut descendre en plus. Pour aller par là, vers les égouts niveau 1. Je fais le tour. Hein. Tu regardes en bas, regarde, il y a une porte violette sur ta minimap. Ça mène aux égouts niveau 1. Mes chiffres. Bienvenue. Je suis Meshiv, capitaine de ce navire. Ok. Je navigue sur les mers jumelles et parfois jusqu'à Kingsport, en Westmarch. Et ces derniers temps, Jérine m'a ordonné de rester au mouillage en cas d'urgence. D'accord, si tu le dis. Ok. Toi, tu parles. C'est quoi tout ça?
Ah, Kane, il est là. Bonjour. Mais il dit rien. Il sert à rien. Il en plein milieu. Là, t'as Pharah. Je suis versée dans les anciennes religions. Oh, machin, j'ai reçu une formation là-bas. De paladin du Zakharum au temple de Kourast il y a bien des années. Non, là, je sors. Oh, okay. C'est quoi ça? Des dagues. La merde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache! Oh là là! 80 en défense! Ah ouais, ils rigolent pas eux. Regarde où je suis là. Et même leurs trucs de merde, ils sont trop bien. Attends. Oh, 45. Sorti de 3 trucs. Vache! Je t'avais dit que ici les trucs seraient plus intéressants. Oh, plus 8 emplacements! Ouais, mais la mienne elle est stylée quand même. Ouais. Moi c'est une stylée alors j'ai pas envie de m'en séparer. Bon, juste à près de la sortie là. Il y a un mec là, c'est un vendeur. Un marchand. Ouais, mais attends parce que là j'en ai. J'en ai une aussi là. Celle qui remplace Charcy, Pharah, au milieu. Elle est stylée hein. Oh là là, vas-y. J'ai plus de thunes. On va aller se battre, moi je te dis, il me faut du fric. Hein. Je te fais un prêt. Hein. Ah non, c'est bon. Là, je te prête 10 et tu me rends 20. Hein. T'as raison. Ça c'est pas mal. En vrai. En vrai de vrai. Oh ah, ça je le veux. Oh, c'est quoi ça? Mais attends, parce que ceux-là ils sont quand même mieux. Ah, et là il y a une nouvelle entrée vers. Ah merde, j'y étais. Attends. Vers les égouts. Oh, je reviens. Ouais, mais attends, moi je suis occupée là. Je suis en train de tout regarder, tout checker, les fringues et tout. Là j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Ils sont tous trop bien, alors que je venais de me faire là les trucs. Donc pour l'instant je vais utiliser mes maintenues. Parce que sinon j'aurais trop le seum. Un cliché de la meuf qui fait les boutiques. Grave. Tout acheter. Laisse-moi ruminer. Parce que là, il y a une tenue, elle est ultra cool. Enfin, elle est moche, mais elle est cool. 80 plus 2 à la force, défense de 17. Elle est dégueulasse, mais elle est cool. Celle-là, encore pire. Oh, attends, il y a lui, là, il veut parler. Là. Attends, hein, parle pas à l'aubergiste. Hein. C'est une fille. Bon, ça, c'est de la merde, par contre. Certes, t'as eu des emplacements, mais... J'ai Kaelan, là, qui est là. Il veut parler. Je pense qu'on trouvera mieux. Oh, les armes, elles sont badass aussi. Oh, what? C'est des masses. Oh. Eh, vas-y. Cet acte-là, il va faire mal. Oh, ça, c'est le même truc que j'ai. Oh, ça, je peux le sortir, en plus. Plus 60 au score d'attaque. Mais vas-y, mais en tout cas, moi, il est badass aussi, hein, alors c'est compliqué. Et ça, il est sorti de 2. Donc ça veut dire que je peux moi-même ajouter des trucs. Dur, trop dur. Oh, c'est quoi ça? Divers, on s'en fout. Non, mais là, franchement, celle-là, j'hésite. Parce que la mienne, certes, elle est bien, mais... Non, pour l'instant, je vais garder la mienne. On verra au fur et à mesure. Mais par contre, j'espère que les tenues et tout, ça va pas partir. Attends. Waouh. Non, la mienne, elle est trop stylée en vrai. En fait, je vais garder mon équipement. Eh, pourquoi il fait nuit d'un coup? Parce qu'il fait plus jour. Hein? Parce qu'il fait plus jour. Heureuse de vous voir. Ah, elle, on ira la voir tout à l'heure dans l'auberge. Je vais continuer par là. Ouais. Ça c'est la sortie, qui est par là. D'accord, je sors pas. Tu passes la porte, tu sors. Toi, bonjour. J'ai appris que vous aviez renvoyé Andariel en enfer. Ouais, on est trop balèze. Je suis impressionné, étranger. Cela n'a pas dû être facile. Je vais parler à tout le monde à qui je peux parler, sauf... Non.
J'ai eu vent de votre mission et j'ai quelques articles qui pourraient vous intéresser. Okay. Et là, je suis en train de faire le centre. Deuxième marchand, bonjour. Donne-moi ce que t'as. Ah ouais, mais non, toi, tu fais pitié. Ah, donc lui, il remplace Akara, donc peut-être que lui, il va nous remettre la vie quand on en aura besoin. Il a plein de bâtons, t'as vu, pour toi? Ah ouais, j'ai vu, ouais, t'inquiète. Ils sont badass, non? Ah, c'est vraiment ce marchand, il est vraiment pour toi, l'autre, il est vraiment plus pour moi. Quoi qu'il a des masses. Il a quand même des masses qui peuvent faire très mal. Paladin. Ah non, c'est pas pour moi, dégage. Oh, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est tes trucs à toi, ça. Des trucs dégueulasses. Bref, tu m'intéresses pas. Et là-haut, y'a rien. Un petit peu, là. T'as une trappe qui t'emmène aux égouts aussi. Ah ouais. Que j'ai ouvert. Je parie que vous vous demandez pourquoi cette ville est épargnée avec tout ce qui se passe dans le désert. Eh bien, sachez que cela n'a rien à voir avec la garde. Ils sont tous au palais pour on ne sait quelle raison. C'est Jérine qui nous a T'as vu qu'il y avait le relais là? Attends, je parle, attends. Pour pacifier la région. Ah, vas-y. Nous ne sommes pas bon marché, mais nous sommes ce que ces terres ont de mieux à offrir. Ah, lui, il remplace l'autre. On peut engager de nouvelles personnes. Prière activée. Il régénère lentement votre vie et celle de vos alliés. Ah, c'est cool. Mais ils ont tous prière ou... En fait, ils ont tous les mêmes levels, donc peu importe qui je prends. Ah, mais je pense que... fais gaffe parce qu'ils doivent avoir des capacités différentes. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ce que je suis en train de regarder. Vas-y, je vais prendre Azrael. Azrael et Paige. Attention, ça pique. Bonjour Azrael. Toi aussi, il faut que je t'équipe. Vas-y, je vais t'équiper, t'inquiète. D'abord, je vais parler aux autres. Vous avez bourlingué. Et toi, t'as picolé. Moi aussi. J'étais un peu aventurier en montant. J'étais le chef de la pire troupe de bandits qui ait parcouru ce désert. Aujourd'hui, je me tiens à carreau. Cette auberge est à moi. Attends, je t'attends près de l'auberge pour... Que je suis rangé. Mais c'est pas cette auberge-là? C'est l'autre. Si, il est là, le mec. Atma, c'est à l'autre bout là-bas. C'est le grand bâtiment qui est à côté de la sortie. Bah moi ici j'ai un mec à qui je dois parler avec un point d'exclamation dans une boule jaune. Attends, ça c'est quoi? Est-ce que c'est bien ça? Mais pourquoi ça me compare pas avec ça? Donc là c'est quoi? 10, 30%. Ah non, le mien il est 37. C'est mieux. En plus, je l'ai boosté de ouf. Qu'est-ce que je prends pour l'autre tétard? Vas-y, je repars t'attendre au niveau du gars de l'auberge. Ouais, bah moi, je suis en train d'équiper mon deuxième mercenaire. Parce que moi, j'ai pas de poteau. Merci. Ah, c'est une fille? Merci. Ouais, c'est un mec qui a une voix de gonzesse, hein. Merci. Ouais, parce que c'est un mec Azrael. Voilà, mec, t'es équipé. On dit merci, tu l'as dit 3 fois, tout va bien. Mec ou meuf? Vraiment, je sais pas. Du coup, attends, j'ai pas été là-bas. Non, moi, il a dit qu'il faut aller parler à Atma. Retourne parler là, tu vas voir. Où ça, il y a un mec? Non, bah, regarde, viens voir, moi, bon, ici, j'ai un on mec. On passe pas, il m'a dit. Avec une bulle jaune. Où? Alors, dans l'escalier? Bah. On ne passe pas. Moi, il me dit, on passe pas. Il y a personne d'autre, hein. Pas ici. T'es fatigué là? Ah ok. Ah c'est tout ce qu'il dit, je crois que. Enfin, il a rien fait le mec qui se prend. Ok. C'est elle qui a une bulle. Je n'attends rien de votre part, mais si vous vouliez m'aider, je vous en serais reconnaissante. Une créature horrible se nourrissant de chair humaine rôde dans les égouts de notre ville. Elle a tué mon fils et mon mari, oh la pute. Vous aurez une récompense si vous la détruisez, faites attention. Passez par la trappe dans la rue un peu plus haut pour accéder aux égouts. Je parle pourquoi? Parce que madame, elle a pas envie de parler. J'ai pas eu le son de sa voix. Je sais pas toi, mais moi, je l'ai pas. Ah, oh, il est trop bien le bar. Ah, je l'ai trop. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, vous n'allez pas bientôt me laisser tranquille. Gray semble avoir la situation bien en main. Notez que j'aurais très bien pu faire la même chose.
En tant que guerrier, j'ai plus d'un exploit à mon actif. Ça a bugué parce que je te voyais encore que t'es de la meuf quand t'as dit ça. Et à l'intérieur du bar, il y a quelqu'un qui parle. À l'intérieur du bar? Ouais. T'es rentré par où? Parle dans le bar là. Moi, bah, par la porte. C'est trop bien. Je peux aller dans le bar même. Coucou, tu veux boire quoi? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que vous prendrez? Oui, toi dégage, je t'ai pas dit de venir dans le bar avec moi. Non mais c'est trop mignon, j'adore les détails. Bon allez, je me casse, on y va. Non, je discute avec les gens, moi. Vas-y, bavard, là. Journal de quête. Acte 2. Le repère de Radaman. Trouver le repère de Radaman dans les égouts de Lutgolain. Je n'attends rien de votre part, mais... Oh, ça y est, j'ai entendu sa voix. Bon, tu me dis quand t'es ready. Ah, t'es je suis pas... en bas, moi. Ah, mais lui, il m'attend pas. J'étais en train de regarder mon inventaire, enfin, mon truc. Alors... Tu fais quoi? Eh, t'es habillé comme eux, t'es en rouge et noir. Tu te la racontes? Tu fais partie de leur ville? C'est ça? Tu fais partie de leur... Eh, y'a du monde, Christophe. Oh, ça y est, je commence déjà à me faire déglinguer. Christophe, ça te dirait de venir m'aider? Je suis morte. Devil, tu m'entends? Ah ouais? Bah, pourquoi tu... Vas-y, j'arrive, je reviens. Je sais pas ce que tu foutais, mais du coup, moi, je suis dead. Hein. Bah, c'était sûr. Eh hey, les gars, laissez-moi reprendre mes affaires, je vais vous déglinguer. Venez, un par un, je vous défonce. Toi. Ah, je vais remourir. J'ai plus de potions. j'en ai pas tué, mais j'aurais fait mal. Faut que je retourne à mon coffre. Mais alors là, par contre, on est clairement pas au niveau. Hein. On n'est pas du tout au level. Les gars m'ont mis trop baf dans la bouche. Et j'avais trop mal. Pas ici. Faut qu'on y aille en même temps. On va pas s'en sortir sinon. Micha. Toi t'es mort là, donc récupère ton corps. Je fais le tour. Pousse-toi, il me tue. Il va mourir, putain. Un de moins. Deux de moins. Attends, je vais me mettre sur le côté parce que les autres ils pourraient pas. Bah, ils sont morts. Je suis morte! Pas en ville. Non, mais là on est même pas rentré dans le truc, on est déjà mort. Ça va vite me gonfler. Ah, j'en ai tué plusieurs là. Oui, bah t'inquiète, moi aussi. Mais l'histoire là, ça va vite me saouler. Si déjà au bout du premier combat on n'y arrive pas, ça va pas le faire. J'ai jeté un anneau. Hein. Ouais, je l'ai ramassé. T'as ramassé tout ce qui bouge au final. Mes potes, ils sont déjà morts, je suppose. Donc au final, super, en vrai, ça sert à rien. Tu viens ou tu restes là-bas?
Non, c'est parce qu'il y avait l'autre qui était fort en fait, le jaune. Tu tires sur ton monstre là. Alors là, ça ramène là. Je me tape des lags. Donc, Ah ouais? Ah, lâchez-moi! Allez mourir, vous, là, vous me cassez les pieds! Putain, t'as ramassé des trucs qui pourraient m'intéresser, je pense. J'ai juste ramassé une épée. Fauchon. Ouais, tiens. Mais elle pue. Tiens. Alors, c'est tout ce que j'ai ramassé. Tiens. Est-ce que... Parce que je moi, c'est ce que changer. J'ai, fauchon. Merde, je reprends le même truc. Non, mais je suis vraiment nulle, là. Ouais, vas-y, c'est nul. Non, je ramasse pas, c'est de la merde, tout ça. Non! Voilà, ok. Tout ça, moi, je laisse. C'est bon, c'est de la daube. Du coup, on va par où? Par en bas, on continue. Ouais, ton pote, il me fait des trucs chelous à côté de moi. Oh là là. Je peux passer? J'aime trop taper dans le vide. Il y avait rien en haut, c'était le vide. Que dalle. Oula, je lag. Juste un cadavre dégueulasse. Ça c'est de la merde. De toute façon, je pense que ça va nous ramener. Ah. Ok. Là, ça nous ramène là. Qu'est-ce que c'est? Potion de dégel. D'accord. Il y a quoi en bas? Rien. Ouf. Les archers, j'ai horreur de ça. On a rien loupé là. Non. Il
Ok. Alors attends. Tiens, j'ai ça. C'est bon. Ici, ça ramène là. Un coffre. Juste dessous. Ah, dégueulasse. Pourquoi là? Ah oui, d'accord. Ok. Elle était attachée. J'y vais doucement parce que s'ils arrivent à 50 d'un coup... C'est quoi cette race? Il y a un camion qui est passé par là. Merde, attends, j'ai ramassé un truc de merde. Bon, pour l'instant, je le garde, au pire, je le virerai après. Cul-de-sac. Là, c'est quoi? Ah! Verlut, Golain. Ah, ça remonte ici, d'accord. Tu peux... Ça remonte ici, tu sais quand on était près des... sur le port? Je cherche pas à porter et... Merde, je jette et je reprends. Je suis trop chargée. Il y a quoi ici? Je suis trop chargée. Ici, il y a quoi? Ah, d'accord. Ça ramène là, d'accord, c'est ça que tu disais? Ouais. Ouais, c'est ça. Ah. C'est par là. Je suis parti, ouais, hein. Niveau 2 là. Ah, t'es pas. Ok. Ouais, ouais. Je c'est pensais là, que j'étais t'es... parti pour attendre. Je pensais que t'étais parti. Ah, pour une fois que j'attendais. Ouais. Là, c'est un cul-de-sac. Merde, tiens. T'as besoin de potions de vie ou pas? Plus mana, moi, que j'ai besoin. Merci. J'en garde une au cas où, parce que du coup, je commence à me servir un peu plus de mes trucs. Surtout, j'en ai plus du tout sur moi, donc... Bah au pire on fera au prochain passage on fera un tour en ville. Tes bonhommes faut que tu les augmentes non? Bon hé, je supporte pas de taper dans le vent, ça me rend cinglé. Les archers, ils m'ont empoisonné. Oh putain, je vais crever. Je suis trop chargée. Ah, t'es là. Je suis trop chargée. Ouais, trop de trucs. Ah, attention, je nous ai empoisonnés. Ouais, je vais te casser direct. Je ne peux rien porter de plus. Ça va. Tiens, si tu veux ramasser les cartouches de gaz asphyxiant, si tu veux les utiliser. Je passe forcément m'en servir. Ah non, bah moi non plus.
Encore, tu pourrais le mettre à la place des potions, ce serait intéressant. Parce que du coup, bah, tu pourrais les jeter, tu vois. Mais là, il faut le mettre à la place de ton arme, c'est complètement con. Hein. Dégage. Ah oui. Donc, non merci. C'est quoi ce truc de merde, je veux pas. Ok, donc on repart par où, par là. Attends, on va faire la droite. Ah, d'accord, c'était ça. Attends. De la merde. De la merde. Moi, je la rendrai de toute façon à un moment donné. Ah, mon bonhomme, il m'énerve. Oh, archi de merde. Voilà, elle est mourir. Salut aux viewers. Salut, bienvenue sur le live. Le live super chill, où on fait un peu n'importe quoi, c'est trop cool. Par où on va? Attends, parce qu'il y a là-haut, à mon avis, ça rejoint la partie supérieure. Ouais. Et y a des archers... Ah, je vais crever. Oh bah putain, je suis morte là. Laisse tomber, je prends une flèche. Ouais. Faut que j'attende que ma vie revienne. Attends, viens, on les attire par là. Il y a trop d'archers, tu veux faire quoi? Je peux rien porter de plus. Allez, viens, défonce-les comme ça. Je suis trop chargé. Attends, j'avais quasiment pas de mana, donc je galère. Tiens, il m'en reste une. Attends, il y avait un truc intéressant, c'était quoi? Ah, je suis mort. Non, je suis pas morte, mais j'ai pas eu. Non, là c'est bon. Tiens, juste là sur la table, j'ai ramassé un truc. Là ça rejoint là. Mais sur ce tableau là, j'ai ramassé un truc. Oui, mais tu te l'as activé donc. Attends, parce que là on va trop loin. J'ai plus qu'une seule potion donc là, vaut mieux qu'on se fasse un petit portail pour que j'aille rechercher des potions, sinon je vais crever. Donc là on a plusieurs chemins, donc faut se rappeler qu'il y a le chemin en bas qu'on n'a pas terminé. Mais là, il y a toute cette partie-là aussi. Let's go. Cul-de-sac. Là, ça part sur le côté. Oh putain, mais c'est grand. C'est grand. Ça s'arrête jamais. Ah, le passage, il est là, égout niveau 3. On reviendra après. J'en ai déternué, ouais. Pardon. Bon, on a niqué tout le monde ou quoi? Là, ça rejoint. Ok, d'accord. Et là, du coup, on avait en bas. Je t'attends.
Et donc il nous restait tout ce côté-là à faire. Tire sur plus personne. Aïe, tiens, je te passe mes potions de. Mana. Ça, j'en ai pas, c'est de la merde. Ça c'est de la merde. T'as pris? Ok, donc y'a plus rien en fait, on a tout fini. Ouais. Donc on a plus qu'à remonter. Par contre j'ai pas... Je sais qu'il y a... Normalement y'a un truc là activé. Pour se téléporter là. Je l'ai pas vu pour l'instant. Bah peut-être pas à ce niveau là, peut-être au prochain. Tu parles des portails? Des relais? Ouais. Hop. Je suis parti hein. Ah bah t'étais déjà là. Que dalle, ok, let's go. Putain, il y a des corps partout. Cul-de-sac. Cul-de-sac. Putain, ça part dans tous les sens. Ah, là, ça rejoint, d'accord. Donc là, ça rejoint. Oula, oula, oula. Je trouvais une rune dans un tas de merde. Un tas de merde de rats. Par contre, je suis en train de crever. Oh non, je suis empoisonnée. Ouais, si je meurs, tu meurs avec moi aussi. Tiens, attends, faut que je te rende le truc. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ça tient, ça tient. J'ai trouvé une rune, nef. Ça, je m'en fous. Ça, je vais me le remettre parce que du coup, hop, j'ai plus de vie. Et ça, je m'en bats les couilles. Et ça, ça peut être bien pour mon pote. C'est quoi, c'est une lance? Type de javelot. Ah, mais de toute façon, il est mort, il va sur route. Ici, on a quoi? On a un cul-de-sac. Ah non, ça rejoint là. Mais c'est un cul-de-sac, d'accord. Ok. Les chasseresses, je leur mets une baffe, elles sont mortes. Mortes. Si je vois une prochaine rune, je te la donne. Attends, du coup, ouais, j'ai pas regardé tout ce côté-là, il y avait rien. Parce que bon, là pour le coup, je suis tombée dessus par pur hasard. La foudre ne me fait plus rien. Par contre, j'ai plus de vie, alors hop, je m'en mets une petite potion.
On continue par là ou on fait quoi? Ah bah il y a du monde. Il y a du monde. Je vais crever. Ça me fait ramasser des merdes là. Ouh, c'est pas si mal en fait. Ça, j'en fous. Ok. Ah non, c'est pas cul-de-sac. Tiens, sanctuaire de mana. Donc, moi, faut que la vie revienne. Ok, ça ramène là. D'accord. Ensuite, on va aller par là. Sac là ici. Tiens, hop. Prends une potion de vie parce que je vois que t'en as plus beaucoup. Ça c'est pour la sorcière, je m'en bats les reins. Un crâne. Tiens, je vais te donner une potion de vie parce que... Allez mourir vous là, pendant que je suis en train d'essayer de m'enlever de la vie là. Du coup on continue là, ça va ramener au chemin. Ça a ramené au sanctuaire de mana. Ah non, c'est pas le même endroit. C'est un cul-de-sac. Je l'ai pris, le sanctuaire de mana, d'ailleurs. Je suis trop chargée. Je peux... Attends. Vas-y. Est-ce que je pouvais pas passer? Je vais mettre ça ici. Comme ça, il me reste deux petites bébés places. Mais ça, je m'en bats les reins déjà d'une, ça va pas être ici, dégage. Ça aussi, je m'en fous. Comme ça, j'ai un petit peu plus de place. Ensuite, hop, j'arrive. On va en bas? Ah non, c'est un cul-de-sac. C'était une blague. Allez, go. Ah, t'as pas fini, tu fais quoi? Je suis en train de faire un peu de tri dans mon bordel. Je vais crever! Mais... du coup... Et voilà, je suis empoisonnée. Y'a quoi par là? Oh, y'a trop de trucs à séparer, de ouf.
il y a du monde. Ah! Faut que je l'ai vu vite. Voilà. Ok. C'est bon. Je ne peux rien apporter de plus. Ah merde, tu l'as pris. Oh. T'as piqué mon émeraude. C'est pas marrant. Je suis trop chargée. Alors attends, ça je m'en parle. Steak. Ah, j'en ai éternué. Cul-de-sac ici. Je suis trop chargée. T'as une tête de zombie là. Ok. Est-ce que t'as des potions de vie? Non. Oh putain, tiens, potion mana. Ok, on va voir vite fait. Tiens, sanctuaire de recharge. J'avais presque plus de vie. On va faire le passage par ici et après on retournera en arrière. Tiens, sanctuaire de santé ici. Ah bah il y en a un autre. Oula, ça pue là. Y'a que dalle. Je recule alors. Ouais, merci. Et... on n'a pas fini en bas là. Cul-de-sac. Non, non, c'était juste on venait venir ce petit côté là. Ok, d'accord. Merde, je me mange les murs à regarder. Cul-de-sac. C'était pas par là. Vas-y, je te suis parce que sinon on se fonce dedans et ça bug. Ouh, oh là là. Ah. Ouais, je suis en train de mourir. Ah, faut que j'y aille. Voilà. Je suis trop chargée. Viens. Par contre, j'ai plus de potions de vie là. Si on meurt, je suis foutu là. On... je vais crever. Voilà, je suis morte. Mage d'horreur, tu peux me faire un passage? Ouais. D'ailleurs, reviens pour prendre des potions et tout parce que laisse tomber. Je t'attends pour repartir parce que si je pars sans toi, je vais crever. Faut qu'on arrive à récupérer. Enfin, toi, t'as ton corps, toi, c'est bon. Faut que tu me couvres. Ouais, bah c'est bon. Voilà. Vas-y, je redescends mon truc là. Vas-y, bah moi je t'attends en fait. Vas-y, si. Vas-y, pars. Ça y est, je suis parti, je suis en chargement. Du coup, c'était par où? Ah, je suis en bas, ouais, ok. Ça, c'est de l'esquive, les gars. Ça, c'est de l'esquive, les gars. Ah putain, je suis empoisonné. Ah, oh, je suis de temps, c'est pas possible. Ah mais non, je viens de me remettre de la vie, je suis morte, c'est pas possible. Dès qu'il y a un jaune là, après on est mort à chaque fois. C'est pas bon, c'est pas bon. Vas-y, je commence à descendre et aller à le bout. On était niveau 3. Ouais. Le truc, on l'a loupé alors. Pourquoi? Le truc de téléporteur, il était niveau 2. Ah bon? Bah on verra si on arrive au passage à le voir.
Attends. Non, on verra après. Ça veut dire qu'il y a un endroit qu'on n'a pas bien fouillé. Ouais. Mais pour ça, je suis passé dessus, je me suis dit, bah tiens, j'ai regardé. Comment tu sais que c'est marqué égouts, niveau c'est niveau 2 ? Bah c'était marqué sur le truc. Ah, sur le point relais, exact. Sur le point relais, donc ça me l'a dit, donc je me suis dit, bah. C'est comme ça que je l'ai su. Faut passer tout à droite, hein. Ouais. Ah, bah oui, il y a un côté qu'on n'a pas fait. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas de monstre. Je vais juste activer le truc et je me barre. Tu me diras où il est, que j'active aussi au cas où pour être sûr. Bah, il est juste là. Tu peux pas le louper, moi. Vas-y, j'avance. Bah, je suis totalement perdu là-dedans. Putain. Je suis en train de t'imaginer paumé dans le labyrinthe. Tu regardes ta minimap. Ah, c'est ça. Entre ça et le fait que je puisse plus courir parce que j'ai plus de boost. Ah ouais, mais toi, ton endurance, faut que tu fasses quelque chose. Hein. Moi, mon endurance, elle est à 164. Ah, on était justement dans le repère. Tu es Radamant. Et je l'avais vu. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on est mort. C'est lui, il nous a mis une grosse baffe. Je comprends mieux. Tout à gauche, tout à gauche. Gauche. Et là, c'est tout au bout. Il n'y a rien, t'inquiète. Là, de toute façon, c'est tout le temps tout droit. Vas-y, j'avance. Tout droit, tout droit, tout droit. Mm. Tout droit, et après, tu passes derrière le mur. Et tu vas tout droit. Tu la vois, ta map? Ou tu l'as désactivée? Ah ouais. Non, non, elle y est. Allez, égout 3. Et mon corps, il est tout en bas. Oh, je lui mets des coups de poing, il meurt. par contre, ouais, on va esquiver, hein, parce que là, viens. C'est par là. Suis-moi, parce que toi, t'as l'air d'être paumé. Attends, je suis en train de laguer, là. Le jeu, là, il lag, je suis en train de moonwalker, là. Avec Jackson. Moonwalk. Alors, je vois ton corps. Suis-moi. Ici, ça va peut-être être un truc de résistance. Tiens, non, sanctuaire de recharge, c'est ta merde. Bon, bah, vas-y, ton corps, il est juste là. Moi, le mien, il est plus bas. Ton corps est là. Et le mien est là. Allez, c'est bon, là je suis en train de les séparer, je suis en train de les niquer. T'es où, t'es reparti? Je suis obligé de reculer, j'ai un bon chemin là. Je ne peux rien porter de plus. Viens, t'es où? Si tu t'éloignes trop de moi, je peux pas t'aider. Attends, ouais, vaut mieux que je reste sur les arbres en train de me frapper. Non mais attends. Déjà, on va attendre que notre vie revienne, là. Tiens. Je te les avais pris pour toi. Comme ça, on remet nos affaires correctement dans notre sac, là. Dans notre ceinture, je veux dire, mais t'as compris. Ça, je m'en vais les couilles. Et ça va là. Ok, donc là, moi, ma vie, elle n'est pas encore revenue. Du coup, on va descendre tout doucement, comme ça, si on les voit. T'as des trucs ici, attends. Voilà, hop, la santé. Toi, si t'as pas de santé, il y en a un deuxième juste derrière. Ah, c'est pour ça qu'il y a tout ça. Si besoin, on revient par ici. Il y a la table pour remettre de la santé. Et derrière, il y a deux trucs pour remettre de la santé, ok? On fuit. Ça. T'as besoin de santé ou pas? Non, mais si. Dis-moi où tu es. Regarde, viens, je suis là. Ici, t'as ça pour remettre de la vie et t'as là.
T'en as un ici et un ici, si besoin. Ok. Voilà. Bon, tu passes à droite, je passe à gauche. Pour qu'on les coupe en deux parties. Merde. Ah bah non, en fait, c'est un peu plus loin. C'est où? C'est pas là, c'est en bas. Viens, viens, viens. Il y a un coffre, regarde, qui brille en bas. Il est là, Radamante. Il me pollue. Attends, je vais buter l'autre. Tu me saoules, toi, dégage. Ouah. Je suis Radamante, moi. Ouais, ouais. Il ranime les autres, faut le buter. Ah ! Il m'a trop pollué là. J'arrive pas à reprendre de la vie. Antidote, vite. Ah ! Il me faut de la vie à tout prix, je remonte. Ah ! Je peux pas ici. Attends, vas-y. Tiens. Voilà. Tiens, t'as livre des compétences à prendre. C'est quoi ce délire? Vengeance pour Atma. Je ne peux rien porter de plus. Oh, le vieux lac de mer, là, je le prends un pas. Ah, moi aussi. Oh, mais je cherche la main, moi, je vais tout changer. Attends. Heureusement que j'avais un antidote sur moi. Ça consiste corps d'attaque, 35 d'or supplémentaire, danse au feu. Ça je m'en fous. Par contre, ouais, les potions d'antidote là, je vais la garder sur moi parce que là j'ai. C'était chaud pour ma vie là. Je suis trop chargée. Donc, cul-de-sac. Ici, c'était le gros coffre. Ok, on passe par le truc pour remettre de la vie. C'est parce ça que le là... gros coffre. Ouais, c'était ça le gros coffre. C'est où les trucs pour remettre de la vie là? Parce que je suis en train de crever. Un peu plus haut là. Ouais, c'est là. Je me sens mieux. Tu viens? Je vais voir vite fait le cul-de-sac en bas. C'était bien un cul-de-sac. Ok. Donc, eh ben, on peut repartir. Hein. On fait un portail. T'as remis ta vie, c'est bon. Attends, le gaz. Je peux passer, merci. Le gaz de strangulation, je le reprends, il se revend 500 balles. Vas-y, moi je marche pas. Hein. On va pas tout retaper à pied. Tu fais quoi? Non, je regardais ce qu'il y avait pas. Ah tu non, cherches... c'était au niveau 1. Tu cherches quoi? C'était niveau 1 qu'il y avait là. Non, tu fais un truc, s'il te plaît pour... Je suis trop chargée. Hein? Tu fais un parchemin, s'il te plaît? La sortie par les égouts, tu sais, par le port, c'était au niveau 1. Ouais. C'est ça que tu cherchais? C'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ce que je viens de dire. D'accord, moi j'avais pas compris. Descartes. J'ai plaisir à vous revoir. Ouais, mais laisse-moi tranquille, je suis pas prête à te parler pour l'instant. Bonjour. Mais.
Mais il se fout de moi. Comment je fais pour changer de... pour part... Pourquoi je peux pas aller sur le deuxième level ? Mais il est où mon bouclier, mon... C'est quoi ce délire ? J'ai une deuxième arme, pourquoi je peux pas aller dessus ? Ah, moi ça me l'a fait ça sur le dernier épisode. Je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Et là sur cet épisode là, je pouvais. Alors attends, parce que déjà journal de quête il a été mis à jour. Retournez auprès d'Atma pour recevoir votre récompense. Montrez le parchemin à Kane, à Ludgolain. Ok ? Mais j'ai plus ma deuxième arme. Avec mon bouclier. Je les ai plus. Je peux plus en avoir. Un bug. Dis-toi que moi, sur le dernier épisode d'avant, ça me l'a fait aussi. J'avais plus accès. Et quand je l'ai relancé là, sur l'épisode d'aujourd'hui, ça marchait. Ok, bah c'est ce qu'on va faire. On va relancer le jeu. Enfin moi, de toute façon là, l'épisode il va pas tarder à se terminer. Bah ce qu'on va faire, c'est que je vais relancer le jeu. Hein. Ouais. Parce que moi, il est hors de question que j'ai pas ma deuxième arme. Bah tu sais quoi, on a qu'à l'arrêter ici, comme ça on a fini une quête, c'est très bien. Ouais. Bon bah les amis, cet épisode s'achève ici. Donc on a fini les égouts. On n'a plus qu'à aller parler à Atma donc, pour recevoir notre récompense et donner le parchemin à Kane pour la suite de l'aventure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on s'arrête ici pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous en tout cas, bon, c'est un peu dur, un peu stressant, mais bon, on est dans un nouvel acte, c'est normal, le temps qu'on s'acclimate un peu avec la nouvelle ville. Ils ont des armes de fou, donc il y a moyen qu'on se fasse plaisir et qu'on soit super badass à la fin de l'acte. Donc, on se dit à très bientôt les amis. Salut Devil. Salut Mio. Salut tout le monde. Bye.